Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. C'est le vlog le plus excitant de l'année là. Aujourd'hui j'achète mon sac, je vais pas le dire 50 fois parce que j'ai trop hâte, mais voilà. Donc je vais me boucler les cheveux, je vais mettre du shampoing sec et tout. J'ai terminé mon make-up, j'ai juste pas fait mes lèvres. J'étais au téléphone avec mon père pendant que je maquillais. Je pense que ça s'est vu, je suis désolée. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de shampoing sec. Vraiment je me boucle toujours les cheveux en ayant du shampoing sec dans les cheveux, sinon c'est pas joli. Et du coup je vais me les boucler. Quand ce vlog sera posté, je suis en train d'ouvrir mes cadeaux. Plutôt cool non? Moi mon boucleur c'est un Listaford. Je l'ai acheté sur Sephora il y a pas mal de temps. Normalement j'utilise toujours ce shampoing sec de chez Baptiste. C'est celui pour les brunes, le brunet. Sauf qu'il n'y en avait plus hier chez Monop. Oh punaise, voilà. J'ai les cils trop longs et du coup ça touche toujours mes cernes et mes paupières, c'est trop chiant. Bref, donc du coup j'ai pris l'original. Mais bon, un peu chiant parce que ça fait quand même un peu de traces, je trouve. Enfin, ça rend les cheveux un peu plus ternes, je trouve. Jérémy il a pris des cadeaux pour mon frère et pour ma mère. On a acheté des livres. Et là on va acheter le sac. Direction Yves Saint Laurent. Et après on va au printemps pour acheter du maquillage pour sa soeur. Après c'est tout. Ah, il faut aller chez Zara rendre mes cuissards. Wow. On va manger un melon pan. Quoi? Ça sent le nigiri dans la voiture. Let's go. Let's go baby. Après j'ai trop envie de manger des churros. Ouais. Bah ouais. Pas toi? Mais faut y aller, c'est une pierre, ça suffit. Faut pas y aller partout. Tu peux filmer quand tu baisses la voiture dans le parking. Pour un mec qui a peur d'exploser la voiture, t'es bien avec ton melon pan. Ça va et vous? Oui, ça va bien. Je viens pour récupérer le sac. Oui. La 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 la. J'ai acheté mon sac. Je suis trop contente. J'ai pas les mots. Le plus dur là, ça va être d'attendre demain parce qu'on veut absolument. Enfin, oui, on veut que Georges le déballe sous le sapin. Donc voilà. Et j'ai trop hâte. Demain, c'est long demain. J'ai trop envie de le déballer là. Il est trop beau. Elle me l'a tout remontré et tout. Vraiment, il est trop trop beau. On a des nouveaux cadeaux à mettre sur le sapin. Je pense qu'il n'y a rien qui me rend plus heureuse là cette année que des cadeaux sur le sapin. Alors j'en ai jamais eu quelque chose à faire. On a acheté d'autres cadeaux tout à l'heure, je vous ai montré. Là on va aller au printemps Haussmann pour acheter du make-up pour la soeur de Jérémy, pour que je le conseille. Et on va rajouter ça sous le sapin. Encore. C'est trop heureuse. Qu'est-ce que vous pensez du sac? Dites-moi en commentaire. Si vous pouvez vous acheter un sac, ce serait lequel d'ailleurs? Curieuse, moi vraiment, mon sac de rêve c'est le classique de Chanel. J'ai pas les mots. En cuir grainé, noir, doré. Mon rêve, dites-moi ce que vous voulez comme sac. Et vraiment, si vous avez un achat luxe à faire, printemps du Louvre en ce moment, il y a absolument personne. Genre personne, c'est choquant. Et donc du coup, là, on était tout seul. Vraiment, vous pouvez aller tout autour, vous pouvez faire des photos, vous pouvez faire plein de trucs. Là, on a fait des photos pour Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram,
allez voir. Je vous recommande grave d'y aller parce qu'il y a vraiment personne. Donc personne pour vous embêter. Et vous êtes tranquille, trop content. Ils étaient trop gentils d'ailleurs, le Yves Saint Laurent, Printemps du Louvre. Trop gentil. Je veux qu'il soit en sécurité. Voilà. On est trop fatigué. Je vais mettre mon sac sous le sapin. Est-ce que je suis une forceuse, vous pouvez le dire? Mais bon, en tout cas, ça me rend heureuse. Je fais un bisou au Covid et à traverser tout Paris. Et voilà. Le plus beau cadeau. Ça me rend trop heureuse. J'ai trop hâte de mettre les cadeaux de Jérémy. En fait, là, il n'y a pas les cadeaux de Jérémy. On les a cachés là. Attendez, faut que je raconte parce que c'est marrant quand même. En gros, là c'est mes cadeaux que Jérémy y a fait. Et ça c'est les cadeaux que j'ai fait à Jérémy. Et genre on les a cachés dans des sacs avec du papier cadeau. Parce que vous voyez par exemple, s'il met 4 cadeaux et que moi j'en ai que 3 ou autre, on peut pas genre s'influencer, on a des gros problèmes psychologiques. Du coup on s'est dit qu'on allait le mettre vraiment juste demain pour les ouvrir. Donc c'est assez marrant. Et le reste c'est pour toute notre famille. Donc plutôt cool. Du coup voilà pour ce petit vlog, je suis trop contente, vraiment j'ai passé une trop bonne journée, c'était très cool. Bon c'est un peu dur j'avoue de tenir jusqu'à demain pour déballer le sac, mais bon, je vais arrêter de forcer parce que là je suis une grosse forceuse. Du coup à partir de demain ça sera pas un vlog par jour, mais en fait je vais filmer comme je vous l'ai expliqué hier 23, 24, 25 en une vidéo. Donc je pense que ça sortira le 26 très honnêtement. Donc du coup voilà, j'ai trop hâte. Demain on fête Noël avec Jérémy, que tous les deux. Et le 24 je suis avec ma mère, le 25 aussi, mais Jérémy nous rejoint. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait. Le lien est en barre d'infos comme d'habitude. Et nous, on se retrouve après Noël. Mouah.